Tariq et Lucie sont les deux finalistes d'un concours de pâtisserie. Pour la finale, chacun doit sélectionner aléatoirement une carte sans remise, leur indiquant l'ingrédient à mettre en vedette dans sa pâtisserie. Les cartes proposées sont les suivantes. Alors on a la carte chocolat, vanille, citron, framboise, fraise et café. Tariq aimerait tirer la carte citron et Lucie la carte café. Tariq a été désigné pour choisir en premier sa carte. Quelle est la probabilité que les deux finalistes tirent la carte souhaitée Alors, la situation, on a donc euh, des cartes, il y a six cartes, et Tariq et Lucie doivent choisir au hasard, aléatoirement, hein, donc au hasard, une carte. Alors, c'est d'abord Tariq qui commence, et ensuite, c'est au tour de Lucie, mais on nous précise ici que c'est sans remise. Hein. Sans remise, ça veut dire que. Quand Tariq a pris une carte, il ne la remet pas en jeu, donc Lucie ne peut pas choisir la même carte. Donc on aura finalement deux pâtisseries qui n'auront pas en vedette le même ingrédient. Donc ça c'est quelque chose d'important ici, parce que ça veut dire que le résultat du premier tirage va avoir une influence sur le deuxième tirage forcément, puisque Lucie ne choisira pas une carte dans le même, les mêmes cartes que Tariq. Alors là, on nous demande de calculer la probabilité que les deux finalistes tirent la carte souhaitée. Donc il faut qu'on se rappelle que Tariq, lui, ce qu'il aimerait, c'est avoir la carte citron. Hein. Donc on va considérer l'événement TC. Hein. Tariq choisit le citron. Et puis par contre, Lucie, elle, c'est la carte café. Hein. Donc on va considérer l'événement LC. Lucie prend la carte café. Bon alors on a deux lettres C, donc je vais les, pour les différencier je vais mettre un A ici pour café, et puis je vais mettre un I ici pour citron. Voilà. Donc ce qu'on nous demande ici, c'est que Tariq choisisse la carte citron et Lucie choisisse la carte café. Hein. Donc on va considérer en fait l'événement intersection, c'est celui-là, TCI intersection LCA. Hein. Alors je vais clarifier un petit peu quelque chose sur ce que j le mot que j'ai utilisé intersection. En fait c'est l'événement qui est constitué de l'événement Tariq je tire une carte citron et Lucie tire une carte café en même temps. C'est-à-dire que les deux sont réalisés en même temps. Et d'ailleurs on le note parfois comme ça TCI et LCA. Voilà, tu peux rencontrer aussi cette notation là. En tout cas, on doit calculer la probabilité de cet événement, la probabilité de l'événement TCI inter LCA. TCI inter LCA. Et ça en fait, eh bien, il y a une formule qui te dit que c'est la probabilité de l'événement TCI multipliée par la probabilité faut connaître cette formule de l'événement LCA sachant que TCI est réalisé. Hein. Lucie choisit la carte café sachant que Tarik a choisi au premier tirage la carte citron. Et là c'est important parce qu'en fait on a dit tout à l'heure que comme c'est un tirage sans remise, les événements TCI et LCA sont dépendants. Le choix de la carte tirée par Lucie dépend de ce que Tariq a choisi au premier tirage. Et d'ailleurs ça, on va le voir en calculant ces probabilités là. Pour le premier tirage, donc, on regarde la probabilité que Tariq ait choisi la carte citron. Il a une chance sur 6 de choisir la carte qu'il qu souhaite. Donc cette probabilité là, c'est 1 sur 6. Voilà. Et on va multiplier ça par ce qui se passe au deuxième tirage. Ce qu'on veut, c'est que Lucie choisisse la carte café. Mais attention, ici, on se met dans le cas où Tariq a déjà choisi la carte citron. Donc Lucie, elle doit choisir parmi les cinq cartes restantes. Donc elle a une chance sur cinq de choisir la carte café. Voilà. Donc finalement, la probabilité que les deux finalistes tirent la carte souhaitée, c'est un sixième fois un cinquième, c'est-à-dire un trentième, une chance sur trente que les deux finalistes tirent la carte souhaitée.